Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, monsieur Mélenchon. Alors voilà, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a une petite plantation de cannabis, mais la récolte, elle prend toujours pas. Ouais. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oh, c'est compliqué. On ne prend plus à la terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Tu vois, je t'avais dit, putain. Faut réfléchir avant d'agir, non? Ah ouais, ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. Mais vous y connaissez bien, Bicrave? Évidemment, ça rappelle toujours plein de choses, hein. Aïe, on en était sûr. Et pour vous, elle vient d'où, la meilleure coke? Souvent, on me pose la question comme ça, c'est comme s'il y avait une chose plus importante que toutes les autres, mais néanmoins, je vais quand même répondre, parce que sinon, après, on va dire, ah, ben, il sait pas. Ben, si, il sait. Ouais, ben, vas-y, elle vient d'où? D'Amérique latine. Ah, donc vous avez connu Pablo Escobar? Non, je ne l'ai pas connu. Eh, mais vous êtes défoncé, là. Pourquoi tu me demandes ça? Oui ou non? Vous êtes défoncé. Ah non, non, ça se dit pas, ça. Allez, je peux pas le dire. Mais voir comment il est défoncé. Et tu vas où, après? Eh ben, j'irai direct voir les planètes. Vous allez me persécuter comme ça, comme ça. Ah, c'est bon, vas-y, c'est bon. Eh, juste si je vous dis, 7-5, c'est la Champions League, 9-3, c'est la Champions League. Vous connaissez Majdé? J'ai trouvé un jour par hasard qu'on m'a fait écouter un de ses disques et j'ai aimé, quoi. Ah non, voilà, t'es un beau. Eh, merci, monsieur Mélenchon, d'être passé. Une petite photo de place? Ouais. Paname, c'est la Champions League. Faut citer pas de ma team. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour. Comment ça va? Bah oui, vous parlez toujours en simultané comme ça? Ouais. Ouais, bonjour, monsieur Macron. Moi, c'est Barabas. Tu me reconnais. J'habite dans le 9-3. Tu connais? Ouais. Eh, on m'a dit, genre, avant que vous faisiez de la politique, vous étiez gogo dancer dans le marais. C'est vrai ou? Oui, pourquoi? Je suis tranquille, je demande, je suis curieux, c'est tout. Ah, curieux, moi, je pose la question. Vous avez croisé des gens du showbiz là-bas ou? Kev Adams. Et il vous a demandé de le pépon ou? Non, c'est d'ailleurs pas ce qu'il m'a demandé, tu vois. Et ça marche pas comme ça. Mais il vous plaît vraiment ou? J'aimerais bien que ce soit une femme. Et il en a une grosse ou pas? Quoi? Monsieur, sinon vous, là, vous passez à la télé, vous êtes chez ministre, c'est sûr que vous devez connaître trop de meufs. Hein? Non, mais franchement, si vous pouvez nous faire tourner une meuf, ce serait qui? Je pense que ce sera Madame Merkel. Elle sera encore chancelière en Allemagne. Ouais. Et sinon, la photo de classe, c'est comment? Paname, c'est la Champions League. Faut citer pas de ma team. Bonjour, monsieur Macron. Bah, asseyez-vous, s'il vous plaît. Déjà, tu ne donnes pas d'ordre, frère. Ma mère. Et puis, tu peux nous remercier qu'on est venu en cours aujourd'hui juste pour toi. Merci. Voilà. Vous allez faire quoi par rapport aux keufs? Parce que la semaine dernière, il y a mon poteau Suleiman, il s'est fait contrôler par les keufs, on l'a traité de bamboula. Et ça, c'est pas bien, ça. Nous, on n'est pas... Un policier, il n'a pas le droit de dire à un jeune bamboula. Ah, merci, voilà. Ils ont le droit de dire à Rebeu Bougnoul? Peut-être même plus souvent. Ouais, bah en fait, ça veut dire que vous avez un problème avec les étrangers. Un peu, oui, tu as raison. Attends, ça veut dire quoi? Pour vous, il y a une race supérieure, c'est ça? Oui, le blanc. Ah, mais vous êtes pire que Marine Le Pen en vrai, ouais. Non. Ah ouais? Et vous pouvez nous mimer un arabe alors? Mimer un... Non, t'as oublié. Oublié. 2, 3. Mais c'est pas ça en arabe, hein? Mais c'est vrai qu'on ressemble pas à ça, nous. Bah ouais, on ressemble pas à ça, nous. Ouais. Ok, tranquille, pas de soucis. Ouais, on va changer de sujet, tu vois. Nous, on est colo comme vous, tu vois. Regarde par la fenêtre, on a fait une petite plantation de bœufs. Vous en dites quoi? C'est mortel, votre truc. À ce qui paraît, enfin, c'est ce qui se dit, c'est que vous êtes polygame. C'est vrai que vous avez plusieurs femmes? Oui, j'ai une dans la voiture, une de rechange au bureau, une de rechange à la maison. Bah d'ailleurs, si vous êtes un homme à femme, c'est parfait. Tenez, il y a la petite Héloïse. Elle a pas de mec en ce moment, vous la trouvez comment? Ouf. Bah ça va, on est entre nous, vous pouvez nous le dire. Je suis allé horrible. Paname, c'est la Champions League, faut citer pas de ma team. Bonjour, monsieur Lyon. Bonjour. Asseyez-vous. Bon, voilà, monsieur Fillon, bien évidemment, on est obligé de parler de la petite Pénélope. D'ailleurs, vous allez faire comment pour rembourser? C'est pas moi qui vais la payer, c'est vous qui allez la payer. Genre, ça peut pas arriver, ça peut être à l'argent. Ça peut être à l'argent, sinon, paye, je ne marche pas rien. Hello, it's me.